hier, ce sont des manifestations particulièrement violentes qui ont eu lieu à Mayotte, l'archipel français de l'océan Indien. Le défilé contre la vie chère a tourné aux affrontements. Il y a eu 10 blessés. Un homme de 72 ans brutalisé, tout inquiété, gazé par les gendarmes mobiles lors d'un contrôle d'identité en Roualé. L'affaire de la profanation de la mosquée de vendredi de Djondji Laboratoire ici en Petit-Terre. La vérité reste la vérité. Tu peux la cacher, la déguiser ou même la nier. T'auras beau être français sur papier, faut dire ce qui est, tu restes juste un nègre facile à plier. Rien que pour le succès, combien sont prêts à vendre leur âme, faire l'impasse sur les crasses qui poussent les droites l'homme jusqu'à l'excès. Mayotte, française ou annexée, car chaque jour les chiens de la République ne cessent de nous vexer. Pour un simple contrôle de papier, on se fait braquer, humilier, bafouer jusqu'à notre propre humanité. Trop de choses que je ne peux mettre en aparté, tant que mon île vivra sous apartheid. Violation de domicile, ce mandat, ils appellent ça la justice. Des contrôles qui tournent au racket, fils, vice qu'on vit. Des GAV aux ITT, des vies brisées sans que les criminels en soient inquiétés. Des vols bleus en guise de fuite en cas de délit. Une peur bleue, des putes donc peu de langue se délit. La langue de bois, je pratique peu, peur des termites. Une lame pour Rukia, je casse des dits. Suis-je en droit de prendre les armes lorsque je me sens menacé? Lorsque l'ennemi en veut à mon âme, elle veut me terrasser. N'étonne pas si le peuple a des envies d'homicide. C'est que c'est dur d'être traité en homme ici. Suis-je en droit de prendre les armes lorsque je me sens menacé? Lorsque l'ennemi en veut à mon âme, elle veut me terrasser. N'étonne pas si le peuple a des envies d'homicide. C'est que c'est dur d'être traité en homme ici. Ramzan Atman n'est qu'un détail. Une bête du bétail, tu prends des coups, tu te la fermes et tu tailles. Pire qu'en musique, ici une blanche vaut sept noires. Triste retour dans l'histoire de toi en moi, de moi à vous. Je reste hors la loi, garde vos droits, j'y ai pas droit et puis c'est tout. Kiffe ma vie sous écoute, rien à foutre. À chaque battement, je représenterai les miens sous écrou. Allez leur dire qu'ici, les vrais voyous sont ceux qu'ils ont armés sciemment. Ceux qui nous respectent pas, bousculent nos mamans. Tire sur des enfants, gaz des nourrissons et se pointe devant les médias en mentant. La révolution sera pas télévisée, fiston. Ils croient nous tenir pour ma part, je pisse sur les symboles de la République. Pathétique lorsqu'ils chargent sur des vieillards, appellent ça des actes héroïques. Ils sont chez moi et me haïssent comme si j'étais chez eux. Veulent me bloquer les accès, se prennent pour Dieu. Légifèrent sur nos vies, sur les yeux de nos mères, ils rêvent tous de nous euthanasier. Nos rues, des Far West ou des shérifs en armes, à point prêt à faire un carton et le juge le reste. Et la misère pour celui qui se lève, à défaut de peine de mort, on distribue des perpètes. Le commerce des clandés, un bistrot lucratif, ils veulent péter le chiffre, triste sont les registres. Regroupement familial, reconduite à la frontière, trop de morts mais peu de corps chez les légistes. Puisque la loi de ta république ne concerne pas, puisqu'on n'aura jamais les mêmes droits chez moi, puisque la raison du plus fort fera toujours sa loi, puisque toi et moi on sera jamais égaux, dis-moi.